C'est pas bon. Allez, tu racontes. C'est quoi? pourquoi tu as ces jeunes gens devant toi? Alors, ben voilà, nous on est entrés dans un jardin public, je ne sais pas comment il s'appelle, nous sommes ici à Foix. Et deux jeunes jolis gens que je vois là sur le banc à ma droite, que tu veux bien plutôt les filmer eux que moi, Richard. Merci. Non, un petit peu. Oui, il n'y a pas longtemps. Alors, il y a Arthur et Tristan, et ils reviennent tous les deux d'une session de un festival de yoga. Une retraite, c'est ça. Retraite de yoga à Tarascon-sur-Ariège. Je ne trompe pas de nom. Hein. Et voilà, moi je voulais recueillir leurs impressions et pourquoi ils ont été là-haut et qu'est-ce qu'ils y ont trouvé. Alors, je donne la parole déjà peut-être à toi, Arthur. Mais tu parles aussi, c'est ça, je déjà, tu me disais que tu fais du yoga depuis un moment. Je fais du yoga depuis 2 ans, ouais. Et je. J'ai commencé à faire du yoga parce que j'ai un problème au dos depuis plusieurs années, depuis que je suis adolescent, et qui m'a beaucoup handicapé. J'ai eu un rapport conflictuel à ce problème pendant longtemps. Et depuis quelques temps, je réinvente un peu le rapport que j'ai avec ce handicap. Et je le considère plutôt comme une proposition de la vie à aller explorer certaines choses. Et donc, le yoga est une des propositions qui a découlé de ce problème. Et donc, ouais, c'est vraiment un voyage pour renouveler la relation que j'entretiens avec mon corps et avec la vie en général. Et développer, ouais, une réflexion holistique sur tous ces problèmes de santé qui me passionnent, moi, depuis plusieurs années maintenant. Et de voir en quoi tout est connecté énergétiquement, émotionnellement, physiquement, et de voir toutes ces dimensions se mêler. Et voilà, c'est ça que je suis allé chercher là-bas et que je continue à chercher. Tu as trouvé ce que tu cherchais là-bas? Ouais, j'ai trouvé des réponses. Ouais. Ouais. Et il y a plein d'outils, ils ont tous des choses à nous apprendre, à nous inspirer. Et le yoga a beaucoup à m'apprendre encore. Je fais seulement le découvrir. Et comment tu as découvert pour la première fois le yoga? Bon, c'est quelque chose dont on a tous entendu parler. Oui. Vraiment le pratiquer régulièrement et le comprendre, c'est autre chose. Je pense que c'est tellement large qu'on peut passer sa vie à pratiquer le yoga pour le comprendre. C'est une culture, une philosophie, en plus très lointaine de la nôtre. Et que l'Occident se propose de réinventer, mais du coup, il faut essayer de comprendre un peu aussi. Je pense l'aspect traditionnel, la manière dont nous on le fantasme, mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux. Alors ça t'a apporté quoi? Plus d'apaisement, de sagesse, quelque chose de cet ordre-là ou autre? Moi, une des choses principales que j'ai travaillé, je crois que c'est la rigueur. C'est quelque chose qui me fait défaut de certaines manières. Donc à travers la méditation, les postures, qui s'appellent les asanas. Et aussi dans je crois que je suis allé là-bas parce que j'ai du mal à avoir une pratique quotidienne en étant seul. D'accord. C'était une manière d'ouvrir la porte. C'est ça. Et ouais, j'espère que ça va m'aider à. Bah oui. Et puis tu sais, la meilleure chose, moi maintenant j'ai pris cette habitude-là, ça fait 6 ans, mon tapis est toujours par terre en permanence. C'est comme si je faisais un appel à y passer dessus, quoi. À un moment donné, si c'est pas tôt le matin, c'est ça. Après, c'est le corps, il réclame. Ouais. Ça, c'est une bonne habitude. Super. T'es jeune, hein, plus c'est pour pas ton âge, mais t'as pas 20 ans. Si. T'avais 20 ans. Toi, Tristan, qu'est-ce que tu veux compléter, ajouter, avoir un autre point de vue? Alors, moi, mon histoire avec le yoga, j'ai rencontré ça il y a pas très très longtemps. On s'approche parce qu'il y a du bruit autour. Il y a à peu près 2 ans aussi. Et c'est, je faisais une randonnée en Ariège, entre la Haute-Garonne et l'Ariège. Et il y a un berger que j'ai rencontré qui m'a invité à passer la soirée dans sa cabane. Et c'était un gars vraiment plein d'énergie, très enthousiaste. Et il m'a raconté un peu son histoire. Et lui, ça faisait quelques années qu'il pratiquait le yoga. Et il en faisait tous les matins, il se levait à 4h, il faisait 3 heures de yoga. Et après, il partait dans la montagne chercher ses brebis. Comment il s'appelait? Il s'appelait Gilda. Et il m'avait pas mal inspiré, surtout l'énergie qu'il dégageait. Et moi, j'en manquais un petit peu. Et du coup, j'ai mis ça dans un coin de ma tête, j'ai continué mon chemin. Et puis, c'est ressorti plus tard quand j'ai eu l'occasion.
C'est ressorti surtout à travers de la méditation. Au début, j'ai commencé par rentrer dans cet univers par la méditation. Et par les retraites de Vipassana, les retraites de 10 jours en silence. Et là, ça a transformé directement vraiment beaucoup de choses dans mon rapport à l'existence. Ça a apaisé beaucoup de choses. Ça m'a redonné de l'élan pour vivre un peu de nouvelles choses dans la vie. Du coup, j'ai continué sur ce chemin et le yoga, c'est venu s'ajouter après à la fois un complément et une nouvelle manière de méditer, plus en mouvement, plus ancré dans le corps entier. Et la méditation qui va pas mal m'apaiser mentalement, psychiquement, le yoga va pas mal me dynamiser à côté de ça. Et me donner plus d'énergie pour faire plein de choses. Donc c'est une manière de se connaître soi-même quelque part. Ouais. Dire ça, c'est à la découverte des choses. De se découvrir soi-même et de découvrir le monde aussi. Parce que ça transforme la conscience et ça change toutes les perceptions aussi qu'on a du monde autour de nous. Je pense que quand on fait les asanas, etc., on donne une certaine élasticité au corps. Et en fait, ça nous donne une élasticité dans toutes les dimensions, toutes les autres, niveau énergétique, relationnel. La méditation, ça vient faire la même chose, mais sur ces deux autres dimensions plus subtiles de l'être. Ça, j'aime bien ton approche. Ouais, c'est une élasticisation, une liquéfaction. Ouais. Vous seriez presque à dire, ben, quelque part, on est adaptable à toute situation, parce que quelque part, on élargit notre champ de conscience, on est plus. Il sent plus, je veux dire, épanoui, mais c'est pas ça que je veux dire. Ouais. Il y a quelque chose comme ça qui se passe dans l'élargissement, à la fois sur tous les plans, du corps, physique et émotionnel, je me dis, psychique, dans tous les aspects. Moi j'utilise souvent une image, je me suis beaucoup intéressé au chamanisme, ouais. Et une image que j'aime beaucoup pour parler de cette pratique et en fait toutes les autres, c'est que comme si la vie, c'est la métaphore d'un morceau d'argile, comme si on était un morceau d'argile. Ce morceau de terre, il sèche et il devient cassant au fur et à mesure qu'il est séché par le soleil. Et s'il est tout sec, qu'on fait tomber par terre et il se casse, c'est impossible de recoller les morceaux. Mais à partir du moment où on met une goutte d'eau dedans, dessus, et qu'il s'imbibe, ben, il devient déjà plus malléable. Et si on en met assez, ça devient un morceau de matière vraiment qu'on peut transformer, qu'on peut séparer, recoller, donner une forme, de transformer. À l'infini, et ouais, si on le casse, il se recolle, et c'est avec le corps, avec les sentiments. Ça donne le parallèle, l'argile et toi, quoi. Ouais, c'est cette élasticité dont on parlait. Le yoga, c'est l'eau. Pardon ? Le yoga, c'est l'eau. C'est ça. La pratique, c'est l'eau. Si on met ce morceau de matière dans un verre d'eau, il devient complètement liquide, et ouais, il devient omniscient. Et je pense qu'à travers le yoga et plein d'autres outils, on peut accéder à cette. Conscience omnisciente, on peut y aller, en revenir, pour garder l'idée dans notre cœur que tout est interconnecté, que tout fait partie de tout. Et tout ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que ça développe un sentiment de liberté, mais pas de liberté, pas au sens de je fais tout ce que je veux, c'est au sens de tout est possible dans le monde. Ils sont beaux, nos jeunes. C'est une belle jeunesse, mais c'est ça que je voudrais conclure. Parce qu'on fait du stop avec des gens, un monsieur de 80 ans qui nous a déposé là tout à l'heure, qui disait, ouais, mais non, ça va de plus en plus mal, les gens, ils abandonnent leurs animaux, ils n'attendent rien. J'ai voulu dire, mais non, ça c'est le verre à moitié vide que tu nous dis, mais moi je le vois à moitié plein quand même. Mais non, et avec son vieux monde et sa guerre qu'il a fait, je dis, mais il ne faut pas rester que des vieux schémas, il faut rester aujourd'hui. Donc, quand je vous vois, je dis, c'est extraordinaire, qu'est-ce que tu en penses, Richard? Pousse tout flou, n'est-ce pas, monsieur? Bonjour. Oui, notre monde est beau. C'est la relève, hein? C'est magnifique. C'est le jeune qui est en relève. On a l'espoir, mais plus que jamais, on témoigne de ça. Je suis content que vous ayez accepté de partager justement votre ressenti. Je prends comme ça, sans même vous connaître. Alors, hop, on passe. Hein. Je vois, ils avaient une lumière dans leurs yeux. Ils ont des choses à dire. Je vais arrêter. Oui? Je vais arrêter. Oui. Vous avez un petit mot à rajouter, quand même? Avant de rater. Non. Je vous souhaite à tous de vivre pleinement votre chemin, d'agir pas en fonction de vos peurs, mais de ce que vous trouvez tout au fond de vous-même.
bien. Merci. Un cœur plein d'amour, ça se voit dans leurs yeux, c'est magnifique. Ah ouais, ouais, merci super. Tristan, et c'est toi, mutuel. Arthur. Hein, c'est mutuel. Ouais, merci. Ouais, ouais. Voilà, comment on dit que le monde n'est pas beau, j'ai dit mais il suffit de se regarder. Hein. Franchement, c'est là. Ouais. Merci, merci d'en témoigner. J'appelle ça le monde renaissance, mais tant, mais il est là. Merci, on ne va pas faire plus long. Ouais, je sais. Merci, merci. On